Laudetur Jesus Christus. Heureux de vous retrouver en direct sur Radio Vatican, Vatican News. Pour cette fois-ci, participer à la prière mariale de l'Angélus que présidera le pape François après la messe de la solennité de l'épiphanie du Seigneur qu'il a présidée en la basilique Saint-Pierre. Merci pour la fidélité de nos fidèles radio et télévision partenaires qui nous assurent toujours la retransmission en direct. Je voudrais nommer ici Radio Salve Regina en Corse, France, Radio Fidélité Nantes, Radio Chrétienne Associée France, IWTN TV, Radio Maria France, Radio Espérance, RCF Radio, Ciel et Lumière TV, Radio Télévision Catholique Elikia Kinshasa, Radio Maria République démocratique du Congo et Ecclesia TV. Merci également à vous qui êtes connectés sur Facebook, YouTube et les différents canaux pour suivre et participer à cette prière mariale de l'Angélus du pape François en la solennité de l'épiphanie du Seigneur. Toujours avec vous Jacques Ngolle pour ce temps de prière mariale. Le pape François qui, après avoir présidé la messe solennelle de la manifestation de Dieu, va présider cette prière mariale de l'Angélus. Mais avant, il va toujours revenir sur l'exhortation avec l'évangile du jour. Le pape qui, dans l'homélie, a insisté sur l'importance de l'adoration, invitant à un retour à la pratique d'adoration, ce qui donne sens à notre vie de chrétien. Nous voyons déjà la fenêtre qui s'apprête à accueillir le pape qui apparaîtra d'ici peu pour exhorter avant de procéder à la prière mariale de l'Angélus de ce samedi 6 janvier 2024, manifestation de Dieu, notamment l'épiphanie du Seigneur, Dieu qui s'est fait homme et qui s'est manifesté dans le petit Jésus. Et conduits par l'étoile, les mages sont venus à sa rencontre. Pour ceux qui sont en direct sur télévision, nous voyons de nombreux fidèles qui, après la messe, restent sur place. Place Saint-Pierre pour participer avec joie à cette prière mariale de l'Angélus. Toujours sous la pluie menaçante, avec des parapluies pour se couvrir, les fidèles attendent impatiemment le Saint-Père pour prier avec lui ensemble en cette solennité de l'épiphanie du Seigneur. Et le pape qui apparaîtra d'ici peu pour saluer les fidèles avant de commencer cette prière. Voilà, nous voyons déjà la fenêtre disponible à accueillir le pape François qui apparaît déjà depuis la fenêtre du palais apostolique pour saluer les fidèles sous l'applaudissement. Le pape apparaît depuis la fenêtre du palais apostolique et avec un sourire aux lèvres, le pape salue les fidèles, de nombreux fidèles présents. Cari sorelle e fratelli, buongiorno. Chers sœurs et frères, bonjour. E buona festa. Et bonne fête. Celebriamo l'Epifania del Signore. Nous célébrons l'épiphanie du Seigneur, c'est-à-dire sa manifestation à tous les peuples. Incarnés par les mages. Ce sont des sages chercheurs qui, après s'être laissés interpeller par l'apparition d'une étoile, se mettent en route et arrivent à Bethléem. Ils y trouvent Jésus avec Marie sa mère, se prosternent et lui offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Reconnaissent la présence de Dieu in un semplice bambino.
Ces mages reconnaissent la présence de Dieu dans un simple enfant, non pas dans un prince ou un noble, mais dans un enfant de pauvres gens, et ils se prosternent devant lui en l'adorant. L'étoile les a conduits là, devant un enfant, et dans ses petits yeux innocents, ils perçoivent la lumière du Créateur de l'univers, à la recherche duquel ils ont dédié leur existence. Ils reconnaissent dans ses nombreux frères le Seigneur de vie. E allora guardiamo a lui meravigliandoci della sua umiltà. Contemplare Gesù, restare davanti a lui. Arrêtons pour contempler et repartir comme un enfant. Adorons. Dare senso al tempo. Me donne du sens au temps. Ne perdons pas du temps. Adorer n'est pas perdre du temps, mais donne de l'importance à notre temps. Adorer n'est pas perdre du temps, mais donner du sens au temps. La rotta della vita nella semplicità di un silenzio che nutre il cuore. E troviamo anche il tempo per guardare i bambini, come i magi guardano Gesù. I piccoli che pure ci parlano di Gesù con la loro fiducia. Et trouvons aussi le temps de regarder les enfants, les petits enfants qui nous parlent aussi de Jésus avec leur confiance, leur immédiateté, leur émerveillement, leur saine curiosité, leur capacité à pleurer et à rire et à rêver. Dieu est ainsi, enfant, confiant, simple, amoureux de la vie. Se staremo davanti a Gesù bambino, compagnia dei bambini, impareremo a stupirci e ripartiremo più semplici e migliori come i magi. E sapremo avere sguardi nuovi. E noi saremo portati il regard nuovo e creativo sui problemi del mondo. Chiediamoci dunque. Demandons-nous donc. Ces jours-ci. Nous sommes-nous arrêtés pour adorer? Avons-nous fait un peu de place à Jésus dans le silence, en priant devant la crèche? Avons-nous consacré du temps aux enfants, en parlant et en jouant avec eux? Enfin, parvenons-nous à voir les problèmes du monde avec le regard des enfants? Que Marie, Mère de Dieu et notre Mère, fasse grandir notre amour pour l'enfant Jésus et pour tous les enfants, en particulier pour ceux qui sont éprouvés par les guerres et les injustices. Benedicta tu mulieribus et benedito fructus ventris Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecensilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut divini et fiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, qui angelo nunciante, Christi fili tui, incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Voilà, nous venons de participer à l'exhortation du pape François avant la prière mariale de l'Angélus et le pape qui salue et rappelle qu'il y a 60 ans, le pape Paul VI et Athénagoras se sont rencontrés à Jérusalem pour briser le mur. Et le pape qui invite à l'ouverture et à imiter de cette rencontre avec, entre le pape et Athénagoras pour l'unité des chrétiens. Et profitant de cette rencontre dont nous célébrons l'anniversaire aujourd'hui, prions pour la paix. Pour la paix au Moyen-Orient, en Ukraine et dans le monde entier. Il y a plus de morts, plus de destruction. Prions pour la paix. J'exprime ma proximité au peuple de l'Iran et victime de l'attentat terroriste à Kerman et à tous ceux et celles qui sont touchés par cette douleur. L'épiphanie est la journée de l'enfance missionnaire. Le pape qui salue tous les enfants du monde entier. E in particolare alla promozione dei ragazzi nelle terre di missione. Grazie, grazie tante a voi. Accolgo con gioia i partecipanti al corteo storico folcloristico che quest'anno è dedicato. Le pape qui salue également les participants à la processus historico folklorique dédié à la région de la vallée du Tibre. Le pape salue également les fidèles venus de l'Allemagne. Et les différents groupes présents place Saint-Pierre pour participer à cette prière mariale de l'Angélus. Également les fidèles de la Pologne présents. Et à tout le monde, je vous souhaite bonne fête de l'Épiphanie. Continuez toujours à prier pour moi, s'il vous plaît, et avancez. Que Dieu vous bénisse et bon appétit à vous. Au revoir. Merci d'être toujours fidèle à suivre en direct les manifestations, les messes et Angélus présidé par le pape François. Merci pour votre fidélité à cette prière mariale de l'Angélus que vient de présider le pape François, qui, avant de présider cette prière, a présidé la messe en la solennité de l'épiphanie du Seigneur. Merci à nos radios et télévisions partenaires qui nous assurent et nous assureront toujours la retransmission en direct de ces événements, notamment Radio Salve Regina en Corse-France, Radio Fidélité Nantes, Radio Chrétien Associé France, IWTN TV, Radio Maria France, Radio Espérance, RCF Radio, Celle et Lumière TV, Radio Télévision Catholique Elikia Kinshasa, Radio Maria République Démocratique du Congo et Ecclesia TV de Côte d'Ivoire. Merci également à vous qui êtes connectés, qui étiez connectés sur nos différentes pages Facebook, YouTube pour participer à cette prière mariale de l'Angélus. Restez toujours branchés sur nos différentes pages pour toujours participer aux activités qui vous seront toujours retransmises en direct avec vous, Jacques Ngol. Merci d'être fidèles et au revoir. Laudetur Jesus Christus.